Au-delà du réel, toute personne vit quotidiennement l'expérience du monde invisible qu'est le rêve. Et selon la Bible, c'est le monde des rêves qui commande le monde de la réalité. C'est à juste titre que le prophète François-Xavier Alloquet, dans son premier ouvrage intitulé « Le mystère caché des rêves », aborde une grande partie de la problématique des rêves. Après avoir présenté l'œuvre en question, nous ferons son résumé avant d'étudier la thématique pour aboutir aux diverses analyses. Amis téléspectateurs de Port TV, merci à vous de prendre le deuxième rendez-vous de votre émission Boussole. C'est à cette tâche que ce deuxième numéro de votre émission Boussole va s'attacher. Et pour cela, j'ai ici avec moi le représentant de l'auteur même de cet ouvrage, le prophète de cet ouvrage qui est le prophète François-Xavier Alloquet. Ce représentant, c'est bien sûr le professeur Mathias Coty. Je vais le recevoir pour vous. Mathias Coty, il est journaliste, écrivain également et technicien en images. Monsieur Coty, soyez les bienvenus. Merci. Dites-moi, Monsieur Mathias Coty, qu'est-ce qui a poussé le prophète François-Xavier Alloquet à l'écriture de ce livre? Merci Madame la journaliste de nous avoir invités sur ce plateau. Mmh. Et le prophète François-Xavier Alloquet, le prophète des nations bien sûr, a écrit ce livre « Le mystère caché des rêves » pour plusieurs raisons. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes ignorantes, malgré leur niveau dans la religion ou dans la spiritualité. Mm-hmm. Il y a beaucoup de personnes qui sont ignorantes à propos de ce qui concerne le sens des rêves. Beaucoup de personnes ne savent pas que les rêves ont un impact dans la vie du réel, sur la vie du réel. Ils ne savent pas. Alors, c'est pour sortir ceux-là de l'ignorance que le prophète des nations a écrit ce livre, pour éclaircir, n'est-ce pas, les gens sur les points d'ombre qui entourent les rêves, sur le mystère qui entoure les rêves. Mm-hmm. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la raison principale qui a motivé le prophète, c'est cela. C'est pour éclairer la lanterne des ignorants par rapport au rêve. Donc, chaque rêve que nous faisons a un sens normalement. Très bien. Chaque rêve que nous faisons a un sens caché que nous ne maîtrisons pas. Et dès qu'on découvre ce sens-là, là, cela nous permet, n'est-ce pas, de nous guider dans la vie du réel. Oui. D'accord. Passons à la présentation détaillée de cette œuvre. Voilà. Le livre « Le mystère caché des rêves » est un guide. Avant tout, c'est un guide. C'est un essai, mais c'est un guide structuré en 6 chapitres. Dans le premier chapitre, titré « Ce que c'est que le rêve », l'auteur a défini le thème « rêve ». Oui, parce que c'est ce que c'est que le rêve. Donc, il a défini le thème « rêve » selon une approche littéraire et biblique. Il s'est ensuite intéressé à l'importance des rêves pour les croyants et pour les partisans du diable également. Parce que les non-croyants. Oui, les non-croyants. Oui. Bon, je ne dirais pas forcément les non-croyants, mais on ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, il y a des partisans du diable vraiment dans le monde. Donc, à chacun, les rêves ont une importance. Donc, même pour les partisans du diable, les rêves ont une importance. Et pour les croyants, les rêves ont une autre importance. Donc, le prophète en a parlé. Il a montré que les rêves sont des méthodes simples par lesquelles Dieu communique avec nous les hommes. Il a montré que le rêve est l'élément là qui contrôle l'état spirituel d'un être. Il a montré que le rêve est un domaine rempli de révélations et que le rêve est cependant un canal par lequel les partisans du diable passent pour nourrir leurs victimes. Voilà, donc c'est ce qu'il a démontré dans le premier chapitre de cet ouvrage. Dans le deuxième chapitre, il s'agit du but et des fonctions spécifiques des rêves. L'auteur, il montre que les rêves avertissent ou orientent l'homme. Oui, il montre également que les rêves fortifient et sauvent les hommes d'un danger ou bien d'un des imprévus. Il suffit seulement de savoir interpréter les rêves pour bien sûr
Donc, je parlais de 6 chapitres. Donc, dans le troisième chapitre, l'auteur nous parle des catégories principales de rêves. Là, on y découvre les sources ou les origines des rêves. Et il en a parlé. Il y a combien de catégories ? Très bien. Il y a 3 sources de rêves. Il y a les rêves de sources divines. Il y a les rêves de qui proviennent de nos pensées imaginatives et de nos volontés. Il y a également les rêves de sources ténébreuses. Donc l'auteur y a catégorisé, n'est-ce pas, ces 3 rêves-là dans le chapitre 3. En ce qui concerne le chapitre 4, qui a pour titre les types de rêves, l'auteur a parlé de 19 types principaux de rêves suivant leurs caractéristiques. Il a détaillé 19 types principaux de rêves. Et parlant du 5e chapitre, on y découvre les rêves et leur interprétation. Et dans cette partie-là, 42 types de rêves environ ont trouvé leur signification. 42 types. Oui, 42 types de rêves ont eu leur signification dans cette partie-là que nous appelons le 5e chapitre du livre. Et en ce qui concerne le chapitre 6 qui porte sur les précautions à prendre face aux mauvais rêves et aux bons rêves, il s'agit d'un grand nombre de puissantes requêtes à exécuter pour briser les barrières que les rêves peuvent causer à notre monde dans la réalité. Et il nous a aussi démontré qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un bon rêve devienne, se réalise, se concrétise dans notre vie. Parce que tu rêves, tu trouves des véhicules, tu construis une maison à étage. Mais dans la réalité, cela ne vient jamais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour que cela se concrétise. Mais si le rêve est mauvais, comment il faut faire pour empêcher sa réalisation dans le réel? Il s'agit bien de cela dans la sixième partie de cette œuvre-là. Donc, voilà ce qu'on peut retenir des 6 chapitres de cette œuvre. Voilà. Merci à vous, Monsieur Mathias Coty. Et quelle interprétation peut-on faire de la couverture de cet ouvrage que nous voyons là? Une femme endormie, voilà. Faites-nous un peu l'interprétation de l'ouvrage. Voilà, il faut qu'on montre bien ce livre-là aux téléspectateurs, ce livre dont nous parlons, Le mystère caché des rêves. Vous voyez la couverture avec nous. Et la couverture expose une image montrant le monde des rêves. Voilà, je dis bien une image montrant le monde des rêves. Une femme en sommeil est visitée par un mari de nu. Le mari de nu est mis en déroute. Oui, est en noir, voilà, dans le sombre luciférien là. Donc, ce mari de nu est mis en déroute par le Saint-Esprit, représenté par une colombe. Voilà, parce que la colombe dans la Bible représente le Saint-Esprit. C'est un symbole, voilà, du Saint-Esprit. Donc, lorsque il est venu visiter la femme qui dort, là, le Saint-Esprit l'a mis en déroute. Donc, il y a tout, il y a ces couleurs-là qui sont, il y a des couleurs qui sont là. Il y a la couleur jaune, il y a la couleur noire. Donc, on voit qu'il y a la couleur jaune qui symbolise la lumière, tandis que le mauvais esprit se trouve en noir. Donc le noir là, ça symbolise l'obscurité, les ténèbres bien sûr. Et là, on remarque aussi d'autres couleurs comme la couleur violet qui symbolise la puissance. Voilà, la force, la puissance. Donc de façon brève, c'est un peu cela. Donc lorsque nous prenons tout ceci ensemble montre que le mystère caché des rêves, que c'est pour c'est ce qu'il nous faut pour être guidé, n'est-ce pas, dans nos rêves, si nous allons interpréter nos rêves. Voilà. Voilà. D'accord. Parlez-nous à présent du thème central de cette œuvre en vous appuyant sur des exemples concrets, Monsieur Mathias. Voilà, si nous allons parler du thème central de cette œuvre, le thème central, c'est le rêve. C'est ça, le thème central, le rêve. Et le rêve, c'est le monde invisible avant tout. Quand on parle de rêve, cela a trait avec le monde invisible. Et c'est ce que nous vivons
au-delà des limites du monde sensible. C'est ça le rêve. Par ailleurs, le rêve, c'est ce à quoi nous pensons, c'est-à-dire parfois nous pensons à une réalisation et à faire demain, je vais acheter une voiture, je vais construire une maison, tout ça là. On peut également appeler ça rêve. Et, voilà. Mais sous cet angle-là, on peut comprendre que chaque personne dit « je rêve de devenir telle chose, je rêve d'être telle chose ». Mais il ne s'agit point... C'est un projet. Oui, c'est un projet, voilà. Donc, mais il ne s'agit point de ce sens-là ici. Il s'agit clairement de ce rêve-là que nous faisons dans nos sommeils. Parce que lorsque tu dors, forcément tu vis une autre réalité. Et c'est de cette réalité qu'il s'agit ici. Donc voilà le sens du mot rêve dans ce livre-là. C'est la réalité que nous vivons dans nos sommeils. Alors, si nous continuons dans cet ouvrage-là, dans le présent ouvrage, nous parlons des événements, des scènes que nous vivons en sommeil, bien sûr. Par exemple, dans le livre, l'auteur a raconté quelques rêves intéressants. Exemple, je donne un exemple qui figure déjà à la page 14, à la page 14 du livre, où c'est tiré de Matthieu 2, et verset 13 à 14. Je cite, on dit, « Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y. » Jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nu le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Fin de citation. La réalité que véhicule la Bible par ce verset n'échappe à aucune époque jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue d'assister au phénomène de kidnapping et autres. Mais lorsque tu as averti que si tu restes là, ou bien si tu laisses ton enfant là, il sera kidnappé par un vaurien, alors mais tu ne vas pas quand même laisser faire. Mais lorsque tu es là, ignorant, et qu'ils viennent, mais c'est comme ça que de plus en plus, on assiste, et si tel enfant n'est pas perdu hier et qu'on le recherche, il y a un communiqué à la radio, c'est par-ci, par-là. Des phénomènes comme ça, c'est toujours d'actualité dans nos sociétés. Donc, cela ne date pas d'aujourd'hui. On a voulu faire cela à Jésus aussi. Mais c'est par les rêves que Dieu a communiqué afin que Joseph puisse sauver son fils en ce moment-là. Donc, c'est dans le livre. Lorsque je prends un autre exemple, je veux rapporter un exemple qui n'est pas forcément, qui n'est pas nécessairement dans le livre. C'est un témoignage récent qu'un fidèle a fait. Ce n'est pas ici, ce n'est pas à l'église évangélique Porte de Vie, mais c'est dans une autre église que j'ai eu vent de cela. Alors, le monsieur, il a rêvé que chaque fois qu'il trouve des souris dans son sac de service, des souris dans son sac de service. Et c'est ça que lui, il rêve, il trouve dans son sommeil. Il a été voir son pasteur, il lui a narré l'événement. Le pasteur lui a donné des recommandations pour faire des jours de jeûne et de prière. Parce que quand il voyait des souris dans son sac, il a connu de blocages au service partout. Il est tombé dans une déchéance qui ne dit pas son nom. Alors, il a connu de blocages, la maladie, la sécheresse financière, les problèmes ont atteint leur paroxysme dans sa vie. Alors, quand il a commencé par exécuter des jours de jeûne et prière, il a rêvé encore le septième jour. Il a trouvé que il s'est vu lui-même dans le rêve en train de renverser le sac là. Et les souris sont en train de tomber. Alors, à son réveil là, il est parti chercher son sac de service. Il a renversé le sac et les souris sont tombées réellement. Mais avant, quand il se réveillait, il ne trouvait aucun souris. Il ne trouvait pas Ils étaient là. Oui. Donc, c'était des éléments invisibles. Voilà. Donc, désormais, ces souris-là sont matérialisées. Et à cause, sont venues, sont poussées, n'est-ce pas, dans le monde du réel, à cause des jeûnes et des prières exécutées. Alors là, lorsqu'il a renversé son sac, ces souris-là se sont transformées encore en poissons. Est-ce que vous voyez? Donc, en poisson. Oui, en poisson. Et lorsqu'il a prié,
finalement, ils sont morts. On les a jetés. Il a quand même il a été voir son pasteur et ils sont venus. Symbolise sa victoire. Voilà. Sa victoire. Voilà. Donc, il a invité son pasteur. Son pasteur est venu prier, n'est-ce pas, sur ces choses-là diaboliques-là. Il a prié, n'est-ce pas, il a sanctifié la maison, tout. Et puis, la vie du monsieur est redevenue normale. Ses affaires sont débloquées et désormais, il vit bien. Vous voyez ce que les rêves amènent. Voilà. Exactement. Donc, il en résulte que tout ce qui nous arrive dans le monde du réel passe avant tout par le monde des rêves. Si un chrétien, exécute réellement tout ce qu'on lui dit à l'église, je pense qu'il n'y aura plus, si un chrétien lit, n'est-ce pas, ce livre intitulé Le mystère caché des rêves, c'est qu'il devient le prophète vraiment de lui-même. Oui, exactement. Il devient le visionnaire de lui-même. S'orienter lui-même à partir de cet ouvrage. C'est de ça qu'il s'agit dans le mystère caché des rêves. Donc nous devons, à partir de ce livre, prendre au sérieux nos rêves afin d'en faire une bonne exploitation. Voilà, donc, chers téléspectateurs, nous vous invitons tous à lire cet ouvrage très intéressant, je l'avoue. Voilà, Le mystère caché des rêves. C'est vraiment très intéressant, je l'avoue. Je l'ai lu et je peux certifier que c'est vraiment très intéressant. Voilà, Monsieur Mathias Coty. À présent, dites-nous, quelle est votre analyse par rapport au contenu? Alors, analyse, regard analytique par rapport à ce contenu. Il faut noter que le rêve, c'est un... Le rêve, selon le pasteur français Lionel Fouché, c'est un mélange de ce que l'on a vu et entendu. C'est un mélange de notre caractère, de nos besoins, de nos joies, de nos peines et aussi de nos convoitises. Mais si un grand nombre de personnes s'intéressent au rêve et ou encore à l'interprétation des rêves, c'est parce qu'il y a un mystère caché derrière les rêves. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont intéressées par l'interprétation des rêves. C'est-à-dire ceux-là qui, il y a même des gens qui ont un cahier de rêves qui notent les rêves. Oui, il y a même une congrégation dans laquelle on intime l'ordre aux gens de noter, de prendre note de leurs rêves. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que sûrement l'interprétation des rêves a une importance capitale. D'accord. Il suffit de lire Genèse 41 verset 8 ou encore Daniel 2 verset 1 à 7 pour s'en convaincre. Et en effet, les magiciens et les astrologues étaient ceux-là qui expliquaient les rêves avant. Dans les temps anciens, ce sont ceux-là qui expliquaient les rêves, qui se préoccupent de l'interprétation des rêves. Alors que les hommes de Dieu sont mieux placés que ces occultistes-là pour nous amener à être orientés par rapport aux rêves. Et quand on lit ce livre-là, c'est ce qu'on constate. Mais celui qui s'imprègne du contenu de la Bible devrait se rendre compte que chaque rêve a un but et une fonction spécifique. En termes clairs, le rêve peut porter sur un avertissement, une instruction, un conseil, une orientation, préservation de la personne d'un danger. Donc de savoir faire la distinction de ce que nous dit les rêves. Voilà. Donc en lisant ce livre, on comprend de mieux en mieux tout ce que je viens de citer là. D'accord. Et quels que soient les enseignements spécifiques non négligeables que nous avons l'habitude d'entendre sur les rêves de part et d'autre, parce qu'il y a beaucoup de religions qui enseignent des rêves, les chrétiens pourront se servir de ce livre, Le mystère caché des rêves là, pour éviter toutes sortes de confusions. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est la classification détaillée des rêves et des
histoires, des anecdotes racontées dans le livre par endroit, parce qu'il y a des histoires, des récits bien édifiants que le prophète a racontés par endroit pour mettre en haleine le lecteur. C'est ce qu'on remarque. Et on voit que le style est digeste, simple, à comprendre. Je ne voulais pas dire que c'est... une œuvre décapante et novatrice dans son genre, oui, mais c'est ça en réalité, c'est exactement. Le cas, et vraiment cela, et je n'aurais pas raison de finir l'analyse de ce livre-là sur ce plateau, s'il vous plaît. D'accord, oui. Chers lecteurs, chers téléspectateurs, achetez cet ouvrage et vous allez découvrir ce qu'il y a vraiment dedans. Vous saurez désormais comment interpréter vos rêves, très important dans la vie. À présent, M. Mathias Coty, dites-nous, le prophète Alokpe a-t-il un autre bouquin en projet? Si oui, parlez-nous un peu de ce bouquin-là. Oui, je vais sauter même pour dire oui. Et un autre livre est déjà en cuisson, voilà, pour bientôt. Et le livre est intitulé « Tout pour vaincre la sorcellerie ». Tout pour vaincre la sorcellerie, c'est ça, c'est ce livre-là que je suis en train de vous montrer. Déjà, je pense que je vous ai déposé une copie au début de cette émission. Vous aussi, vous pouvez montrer ça à nos téléspectateurs. Donc, ici, c'est Tout pour vaincre la sorcellerie. Et c'est un livre dans lequel les lecteurs trouveront ce que signifie la sorcellerie, les types de sorciers qui existent. Ils vont trouver ça dedans. Comment les sorciers arrivent à contrôler la destinée de chaque personne. Ils vont trouver ça dedans. Les heures d'opération de la sorcellerie, les hôtels de la sorcellerie, comment les identifier. On va trouver ça dans ce livre. Comment se délivrer de l'esprit de la sorcellerie et quelles sont les prières de combat, les requêtes à exécuter, n'est-ce pas, pour vaincre ou tuer carrément le sorcier, c'est dedans. Parce que aujourd'hui, on en a marre des sorciers. Tantôt, c'est un enfant qui se chauffe et qui tombe évanoui. Tantôt, c'est pas si pas. Avec ce livre-là, je vous assure que vous allez faire économie de vos sous. Vous n'aurez plus besoin de sacrifier de moutons par-ci, par-là, avant de se délivrer de l'esprit de la sorcellerie. Voilà le dos de ce livre. Et cela vous permettra de savoir que, d'être convaincu qu'il s'agit réellement du prophète François Xavier Alokpe. C'est l'auteur de ce livre-là. Voilà. Et je rappelle que je tiens à informer nos téléspectateurs que le lancement de ce livre-là est prévu pour le 20 décembre 2020. Ah, oui, wow. Le 20 décembre 2020. Avec artiste invité, Mas Serigan. Mas Serigan, c'est l'artiste qui chante à Zanto Dindin. Voilà, très bien. Il viendra, n'est-ce pas, pour agrémenter l'événement avec nous à l'église évangélique Porte de Vie de Godomain. Je rappelle que Porte de Vie est située derrière cimetière PK14, à côté, côte à côte de l'hôpital Tabitha. Ou encore derrière l'hôpital Tabitha, si je tiens à mieux orienter les gens. Donc, ça va se passer et à l'église évangélique Porte de Vie et le lancement de ce livre-là. Voilà ce que je tiens à vous dire. Et comment fait M. Mathias pour avoir l'ouvrage « Le mystère caché des rêves » ? Voilà, « Le mystère caché des rêves », que ce soit « Le mystère caché des rêves » ou « Tout pour vaincre la sorcellerie qui est en parution », on peut se rendre au siège de l'église évangélique Porte de Vie. On peut se rendre à la librairie Monde de Dieu, dans la boutique de Radio Maranatha et à la librairie Semences de Vie. Dans cette librairie-là, on peut trouver les livres du prophète François Xavier Alokpe. Et quel numéro appeler s'il y en a, si vous en avez pour les téléspectateurs ou autres? Très bien, les numéros qui figurent au bas de l'écran, on peut les appeler pour s'en procurer. Et on peut aussi appeler le secrétariat, le numéro qui s'affiche chaque fois sur l'écran de Port TV. Appelez seulement ce numéro, vous allez vous procurer du livre Le mystère caché des rêves ou le livre Tout pour vaincre la sorcellerie. D'accord. Voilà. Ok, merci à vous, Monsieur Mathias, pour toutes ces explications. Voilà, qu'avez-vous à conclure cette émission?
Alors, si j'ai quelque chose à dire pour conclure cette émission, comme le prophète des nations, François Xavier Alokwe, a l'habitude de dire, et lorsque vous lisez ces livres-là, finalement, vous allez vous sentir trop dedans pour être dehors. Merci. Trop dedans pour être dehors. Oui. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Chez vous, c'était à l'instant l'émission, le deuxième numéro de votre émission Boussole, qui a reçu pour vous M. Mathias Coty, qui était représentant du prophète François Xavier Alokwe. Le mystère caché des rêves, le livre, c'était bien sûr le titre du livre. Merci à vous et surtout portez-vous bien. Bye bye.